L'opération du ratissage se poursuit dans le Sourou. 4 véhicules de combat détruits et plusieurs terroristes neutralisés hier à la hauteur de Tougan. L'attaque d'une base de la police nationale a tourné au vinaigre pour les assaillants mis en déroute par un raid aérien. Ils ont été neutralisés, nous rapporte l'armée. Images et commentaires de quelques séquences de la riposte avec Niaki Teda. Près de repérages précis, les vecteurs de l'armée de l'air interceptent l'ennemi. Dans les airs, des frappes savamment orchestrées pleuvent sur lui, mais aussi sur sa base de repli. Il est neutralisé et sa base calcinée. Le raid aérien de l'armée de l'air met ainsi hors de combat plusieurs terroristes et une importante logistique, dont au moins 4 véhicules de combat, selon l'AIB, l'agence d'information du Burkina, qui cite l'état-major général des armées. La même source indique que c'est en riposte à l'attaque contre une base de la police nationale du Burkina à Tougan, dans le Sourou, tôt le matin du mardi 21 mars, que l'offensive est menée. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone.